Bonjour à tous, c'est Valérie, bienvenue pour la guidance tirage de la semaine et on commence tout de suite avec les anges de l'Atlantide. Quelle qualité vous allez avoir besoin de mettre en avant cette semaine? C'est l'archange Raziel qui vous accompagne pour une retraite. On vous demande cette semaine de rentrer dans votre grotte, de rentrer à l'intérieur de vous. C'est une semaine pleine d'intériorité. Même s'il y a des sollicitations extérieures, on vous invite avec ceci à prendre soin de vous de manière assez isolée. Soyez assez seul. Parce que c'est dans ces moments où on se retrouve seul qu'on est susceptible de trouver ou de s'entendre, d'entendre cette petite voix qui va nous donner des idées, des informations peut-être qu'on a besoin d'avoir pour avancer. Donc c'est une semaine placée sous le signe d'une solitude nécessaire, cherchée, voulue, pour vous permettre un meilleur développement pour ce qu'il va y avoir pour la suite. Alors, ça, c'est l'énergie de la semaine que nous allons faire avec les forces de guérison d'Anna Stark. Un très beau jeu qui donne des cartes de guérison vibratoire. Superbe. Hop, en voilà deux qui sont sorties. Allez, hop. Connexion à la source limite. Alors, pendant cette retraite, pendant cet isolement, pendant cette semaine, un petit peu de retrait, ce retrait intérieur, vous êtes convié, vous êtes invité à vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre conscience supérieure, justement à cette petite voix qui sait mieux que notre mental inférieur. Donc, connexion à son moi supérieur et connexion à la source. Et vous avez la deuxième carte qui est venue, ce sont les limites. Alors attention à ne pas partir trop loin, trop haut. Créez-vous quelques limites parce que n'oubliez pas que vous êtes ici sur la Terre et dans cette matérialité incarnée, il est nécessaire toujours d'avoir un bon ancrage. Donc vous êtes invité à prendre une petite retraite, une petite retraite spirituelle pour vous retrouver. Mais faites attention à ne. Alors, même si vous y prenez goût, faites attention à ne pas être trop perché et pensez à redescendre et pensez à vivre aussi et à expérimenter dans la matière. On va continuer avec le petit le Normand, le Gilded Reverie. Et là, je vais prendre plusieurs cartes pour développer un peu ce qu'il y a autour de ça. Alors, d'abord, je vais regarder ce qu'il y a derrière le jardin, les amoureux, les hommes, l'homme, la sensualité. Alors, au dos, nous avons, je vous le montre, nous avons le jardin, l'amour, la protection. Ça sera quand même une semaine placée aussi sous le signe de la nature et pourquoi pas si même si vous êtes dans l'isolement, il y a une exploration de votre intimité. C'est vrai que là, on a le consultant dans sa version sensuelle, mais avec ce que j'ai tiré précédemment, je dirais que vous êtes invité à réfléchir aussi sur vos relations affectives. Hein, il y a toujours une carte de protection. Alors, je vais prendre 6 cartes. Je vais les positionner. Hop, ici. L'énergie principale. 3, 4, 5 et 6. Alors, l'énergie principale, la clé. Vous avez ici quelque chose qui se débloque. Hein. Une possibilité d'ouvrir une porte qui était fermée jusqu'à présent, où il y avait des difficultés à emprunter un chemin
Et ça s'ouvre maintenant, ça s'ouvre. Hein. Donc ça, c'est vraiment ce qui arrive en principal. Carte 33, j'aime beaucoup. Vous avez des nouvelles. Peut-être que vous attendiez quelque chose. C'est le cavalier. Peut-être que vous attendiez d'avoir des informations, vous avez des nouvelles, ou peut-être même vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau. Une gratification, et il y a toujours le consultant homme qui est là. Alors c'est quelqu'un qui pense à vous, et c'est peut-être cette personne, c'est juste à côté, qui vous fait un cadeau, tout simplement. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, une personne de cœur, une personne importante. Un ami très cher, une amie très chère, ou un amoureux ou une amoureuse qui vous fait un petit cadeau. Et vous avez le soleil et les montagnes. Alors, les montagnes sont des cartes un petit peu plus difficiles, où vous avez des difficultés à gravir, justement, à trouver le chemin, et c'est essoufflant et haut. Mais vous avez le soleil qui vient teinter de réussite. Toutes vos difficultés, toutes les difficultés que vous allez rencontrer. C'est quand même une semaine plutôt positive, avec quelque chose, une situation qui se débloque. Alors, c'est une semaine où on vous demande de rester centré, de rester aligné, de rester retiré, de prendre soin de vous reconnecter avec vous sans trop vous envoler, parce que ça va vous permettre de débloquer quelque chose, de trouver une solution pour ouvrir cette porte qui était fermée. Et vous avez, qui plus est, vous allez recevoir dans les jours qui viennent, un cadeau, une petite gratification, quelque chose qui vient de quelqu'un d'aimé, quelqu'un d'important. Et le soleil vient mettre un petit peu de baume sur la montée des obstacles. Donc, pas de soucis pour cette semaine, encore une fois avec le Guild de Rêverie. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, je voulais regarder avec le Rider-Waite. Nous allons regarder quelles sont les énergies ressources bloquantes, les forces du destin et la synthèse. J'aime le faire, ce tirage tout simple et très parlant. Allez, hop, je vais la sortir celle-ci. Je vais prendre la coupe, l'ermite. C'est juste incroyable. Je tombe sur l'ermite et le 8 de bâton. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment invité à rentrer dans votre grotte, à étudier, à profiter de ce temps qui vous est donné pour l'introspection, et ça vous permettra ensuite de planifier quelque chose dans la matière, parce que ce temps d'introspection, il est nécessaire maintenant. Il va vous permettre de matérialiser des projets. Là, donc j'avais sorti cette carte en énergie ressource. Elle avait vraiment voulu sortir. Je la prends. Hop. Ah oui, je n'ai pas pris le petit tarot renard cette semaine, parce que c'est un doudou deck. Alors, et la semaine est dure. L'énergie de bloquante, les forces du destin et la synthèse. Alors, l'énergie ressource, d'abord, nous avons le 6 d'épée. Donc, ça, c'est malgré les difficultés, malgré, vous voyez, hein, c'est difficile d'avancer, vous y arrivez quand même. Et pourtant, vous avez été invité à vous reposer cette semaine. Donc, vous avez beaucoup plus de force qu'il ne semble. Que vous ne pensez en avoir. Donc, vous êtes beaucoup plus résistant, vous êtes beaucoup plus endurant. Cette endurance, elle va vous permettre d'avancer, même si parfois vous sentez que c'est difficile. Ça a coupé, je reprends. J'étais donc sur le 6 d'épée qui vous invite, encore une fois, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse invitation cette semaine à prendre du recul, à vous poser, à changer de perspective, à voir les choses sous un autre angle, et pour faire cela, il est nécessaire de prendre du recul. L'énergie bloquante, on va être sur
Le cavalier de denier, le cavalier de denier. Peut-être que vous êtes trop perfectionniste, peut-être que vous êtes trop perfectionniste et que vous avez envie de trop en faire et ou de faire les choses trop bien. À tel point que quand on veut trop bien faire, le risque que l'on a, c'est de ne plus faire rien du tout parce que ça n'est jamais assez bien. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être bloquant dans votre semaine. Donc soyez un petit peu plus souple avec vous-même parce que le cavalier de denier dans cette position d'énergie bloquante vous pointe du doigt ce perfectionnisme qui pourrait toucher à la maniaquerie. Les forces du destin, vous avez au-dessus de vous, vous avez le pape. Le pape, c'est le guide spirituel. Vous voyez, dans ce moment de retraite, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen de vous connecter à votre guide spirituel. Ça n'est pas la peine de rentrer dans des complications pour l'instant. Tout ce dont vous avez besoin pour l'instant, c'est de vous reconnecter avec votre conscience supérieure, d'écouter vos guides, de regarder les synchronicités, de faire en sorte de vous réaligner, de vous réaligner vraiment. Et la synthèse, c'est qu'une fois que vous aurez fait ce travail vraiment de repli, de changement de perspective. Quand on change de perspective aussi, on peut prendre de la hauteur et c'est vraiment ce que vous est proposé. Quand vous aurez fait ce travail, en synthèse, vous avez l'empereur qui symbolise vraiment la matérialité pleinement mature. La réussite dans la matérialité, cette figure d'autorité, c'est l'homme qui réussit dans la matière. Donc, c'est vraiment une fois que vous aurez passé beaucoup de temps dans votre semaine, dans cette semaine-là, à prendre du temps pour méditer, pour réfléchir, pour être seul, pour vous retirer un petit peu de la société, des rapports sociaux. Une fois que vous aurez fait le point bien correctement, vous serez en mesure d'avoir tout l'alignement nécessaire pour exprimer la matière de la manière la plus noble possible. Ensuite, on va demander des compléments d'information, notamment concernant les soins que vous pourriez réaliser avec ce jeu que j'ai qui s'appelle l'Astral Realms Crystal Oracle, que j'ai trouvé en anglais seulement. Je n'ai pas trouvé en français. Si quelqu'un l'a en français, je suis preneuse de l'adresse. Hop là. Alors, Healing. Spirit Quartz, ok, cette semaine, vous êtes invité à prendre soin de vous. Mettez des druses de quartz, mettez des pierres. C'est le moment du soin, de l'auto-soin, de l'auto-traitement. Si vous faites du Reiki, d'autres choses, de tout ce que vous avez comme routine spirituelle, comme routine de développement personnel, c'est le moment d'ajouter ça. Ça coupe beaucoup aujourd'hui. C'est le moment d'ajouter ça, l'énergie des pierres, l'énergie du quartz notamment. Et vous pouvez mettre dans le quartz qui est totalement neutre une énergie haute vibration. On va terminer en tirant un petit conseil du petit oracle magie de la lune pour cette semaine pour vous. Nous allons prendre celle-ci et la carte dit découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. Vous voyez, on est vraiment toujours dans cette énergie d'introspection. D'introspection, c'est pas... je ne sais pas si vous voyez bien, tant pis, c'est pas grave. Une énergie d'introspection.
semaine d'introspection. Pourquoi? Parce que si je suis trop à l'extérieur, je m'éparpille, je ne sais plus où je vais et je m'en mêle dans plein de projets. Il y a vraiment besoin que vous vous recentriez, que vous vous réaligniez, que vous retrouviez toute la magie qui est à l'intérieur de vous pour que vous puissiez après l'exprimer dans la matière. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais tâcher de faire des petits montages, j'ai eu plein de coupures. Je vous remercie encore plus si vous avez la gentillesse de partager ou de vous abonner. Comme je disais, j'ai besoin de visibilité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review ou un nouveau tirage ou une nouvelle guidance. Au revoir.